Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Moonrise. Donc nous partons, nous y sommes, nous nous laissons aller dans ce flot d'âneries que je vais sortir pour pas dire de conneries. Donc voilà, parfait. Un petit peu de sous-sous. Je rappelle, parce qu'on me l'a demandé dans un commentaire d'épisode, que ce jeu est disponible sur Steam. S'il était disponible chez mon partenaire Gunflanet, je vous irai envoyer parce qu'il serait sûrement à un prix réduit. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, encore une fois, les amis, je vous remercie de commenter toujours au sujet de mes vidéos. C'est toujours très agréable de voir que vous participez. Quest, alors on a plein de choses qui apparaissent. Ok, bon, on va commencer par ramener des lueurs le bash skill, you don't have the bash skill. Bah voilà, ça c'est fait. Il semblait que j'en avais une. From a stone solari, d'accord. Bon. Bah attendez, d'abord on va aller voir si on en a un. C'est sûr qu'on a le solari. All solari. Stone solari. Hop. Crac. Ah, faut que je revende des... Faut que je revende des trucs, je crois. Et alors, je sais pas du tout où est-ce que je suis censé trouver ça. Non, c'est pas là. All skill items, voilà. Alors, c'est la même. Là, c'est la même. Là, c'est les mêmes. Là, c'est les mêmes. Ok, donc je ferai ça déjà en off. Hop. Le Solari, non pas celui-là. J'ai cru voir un Egbert de niveau, enfin de 2 étoiles. Parfait. Oui. Hop, allons-y. Deliver bash skill. Give Yashmin the bash skill. Give. Quête accomplie. C'est tellement gentil de ta part pour de courir partout pour le maître Ibli. Je n'étais pas au courant que Marcus avait le choix. Ça a le mérite d'être clair. Et donc, battre des Kindleouf dans le désert. Voilà, c'est parti. Ah. Alors, est-ce que ce sera là? Apparemment, ce sera là, donc on y va. Ah, c'est pas les Kindleouf que je cherche. C'est pas grave, on va y aller quand même. Hop les. Allez. Oh, il résiste. Non. Tu ne résisteras pas. Alors, dismiss, excusez-moi, c'est parce qu'en fait j'ai envoyé un mail déjà à GamesPlanet, chers amis, donc grâce à vous, en fait, on a pu, j'ai pu simplement avoir votre avis sur bah, le fait d'avoir une série Mad Max. Apparemment, les armes, le sang et les filles surtout vous plaisent. Ça m'a fait beaucoup rire, chers amis, en tout cas, vos commentaires sont vraiment géniaux, je vous en remercie, comme toujours. Donc voilà, j'ai fait la demande auprès de... Près de comment ça s'appelle de gamesplanet.com pour voir s'il serait possible d'avoir le jeu au mois de septembre. Encore une fois, un grand merci à vous. J'espère que la série sera à la hauteur de vos attentes, chers amis. Et j'espère aussi qu'elle vous plaira. Voilà, voilà. Hop là, ça devrait être bon. Voilà.
Donc deux Kindle ouf, plus qu'un troisième à trouver et à abattre. Voilà. Dismiss, dismiss. Ça, il y en a deux étoiles, mais je crois qu'on est déjà à deux étoiles. Hop, on continue. 5 essences de rapidité, c'est plutôt bon. Et les deux derniers, c'est parfait. C'est vraiment une belle bête, je serais curieux de la voir dans d'autres types, si je peux me permettre de parler ainsi. Je remercie ceux aussi qui m'expliquent les évolutions des différents monstres. C'est toujours sympa de pouvoir savoir qui est quoi et qui fait quoi. Hop. Par exemple, on m'a expliqué que quelqu'un, que je sais plus lequel, évoluait en Shardstorm à la fin, donc c'était toujours assez... Ça m'a surpris d'ailleurs. Mais bon. Écoutez, c'est sans doute fort possible. Hop, exit pour voir. Ah, Ah, d'accord, groups. C'est pas 3, c'est 3 groups. Et ben voilà le troisième, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bon, bah du coup, on va lancer pour changer. On va lancer lui et lui. Hop. Et boum. Et quand ton cœur fait boum. Hop les... Ça devrait être bon normalement. Crushing Surge. Hop, dismiss, dismiss. Dommage que je n'ai pas eu un 2 ou 3 étoiles, ça aurait été sympa. Ça m'aurait beaucoup plu. Enfin, 3 ou 4 étoiles plutôt. J'ai refusé un 2 tout à l'heure. 4 essences de rapidité, c'est génial. On a eu les 3 groupes. C'était terrifiant. Est-ce que ça va, Loïs? Je sais que ça peut traumatiser parfois. J'ai hâte de pouvoir enfin le mettre sur un papier. Sur un papier. Quelle histoire! J'ai hâte de pouvoir en écrire un papier. Voilà, c'est ça, en pondre un papier. Marcus, pourrais-tu me ramener un de ces Kindle ouf que tu as pu rencontrer? J'aimerais l'étudier en détail. Et si tu n'as pas pensé à recruter l'un d'entre eux, je suis sûr que tu peux retourner au désert de Daran et enfin en trouver un autre. Voilà, bah, je vais en prendre un autre pour essayer de garder le mien, simplement. Hein. Hop, on va aller un peu plus vite cette fois-ci. Hop. C'est eux qui ont été plus rapides que nous. Voilà. Alors, juste pour voir, je trouve qu'il y en a 3 étoiles. Non, même pas. Bon, bah écoutez, on va en prendre un recrute. Hop. J'espère que celui que j'avais était bien à 2 étoiles. Hein. Alors, excusez-moi. Ouah, parce qu'il vient de loin. Hein. Non. Alors, voyons voir le Solari. Oh, le Solari, il y en a un Kindle ouf de 1 étoile. On en avait un là. Ah mince, j'en avais un que de 1 étoile. Ah, ça ferait chier. Ah bah j'en avais un. Bon d'accord, bon bah j'ai fait une connerie. C'est pas grave, chers amis. On retourne à la colonie Kurada. Voilà, Kurada Colony, c'est comme vous voulez. Le Hall de Guild, Deliver a Kindle Oof. De toute façon, l'un dans l'autre, je peux donner le pire. Le voilà. Parfait. Oui.
Maître de guilde, tout va bien? Oui, ne vous inquiétez pas, je suis sûr que c'est rien du tout. D'accord. Il est zoophile. Non, ça doit pas être ça, j'espère que c'est pas ça. J'aime bien le thé quand je travaille. Peut-être pourrais-tu m'en rapporter de la taverne de Hoku. Kumai, tu restes ici. J'apprécierai tes éclaircissements durant l'examen de ce Kindle ouf. Bien sûr, maître Ghibli. Ghibli, pardon. Ghibli, c'est... Ghibli. Ah, oh, je sais plus dans quoi. Louis, un dernier mot pour un conseil. Les différentes errances du maître de guilde, j'imagine que ça veut dire errance, hein, errance, deviennent souvent des aventures. Alors, allez à la taverne de coups, il y aura sûrement quelque chose qui va se passer. Il va sûrement me dire d'aller pondre un œuf ailleurs. Voilà le thé que le maître Ghibli voulait. Et dis donc, tant que t'es là, je pourrais peut-être, tu pourrais peut-être me filer un coup de main. Une jeune gardienne nommée Aurore est juste arrivée en ville de Gateway et je suis un peu inquiet quant au manque d'humilité et de tact dont elle fait part. Donc Marcus a besoin de lui montrer comment le sens du social entre guillemets. On dirait que Kumai avait raison à propos de ses errances qui devenaient intéressantes. Bon, ok, d'accord. On va challenge Aurore. Hein. On va lui montrer ce qu'on sait faire, littéralement. Peut-être qu'on la fera changer d'avis. Pour ceux qui me connaissent. Hop. Allez. Hop. N'aurait pas été un petit peu trop violent. Je pense que si. Bon, c'est pas grave. You win. Parfait. Ensuite, on ira voir quand est-ce que Cindertooth réévolue, parce que ça m'intéresse. Hop. Parfait. C'est toi, Marcus Bonus? Eh, si t'es ici, il y a au moins une bonne chose dans la ville. Après tout, ce n'est peut-être pas un si mauvais endroit. Oh putain. J'espère, j'ose croire que ce combat nous mènera à un petit verre. Hop. Je suis sûr que Aurore se rattrapera. Bien, de temps en temps, ça prend un petit peu de temps pour que, enfin, parfois ça prend un petit peu de temps pour que les gens découvrent les charmes de la colonie Kurada. À propos de charmes, on a le festival Sirocco qui arrive bientôt et je vais avoir besoin de mettre des décorations spéciales dans la taverne. D'invulcature, ça crée de grosses et de des flammes grosses et colorées. Ça peut être sympa. Allons retrouver certains de ces vulcatures et ramenons donc ce qu'ils appellent sûrement des écailles. Parfait. Allons chercher des vulcatures. Ça sera pas ici, ça sera... c'est où? C'est là, mais alors où? Démerdez-vous. Oh, on va aller là. Hein. Pas de vulcature au premier combat. On en fait 5 si on en a pas. Je pense que j'irai me renseigner. Hop. Voilà.
Apparemment, ce bloc aide là, en fait, évoluerait en, au final en Shardstorm. Ça m'étonne. Mais bon, qui sait? C'est possible après tout. Faut qu'on change quelque chose. Non, attendez. Il y a un truc à changer. J'ai besoin de Shrubble plutôt dans mon équipe. Shrubble, il est là. Il a deux doigts d'évoluer, ce serait vraiment con de pas y penser. Petite chose aussi. D'accord, je peux les bouger, d'accord. Ok, pourquoi pas. Desert Crossroad, on y va. On reprend. Toujours pas de vulcature sur le deuxième combat. Hop, on fait ça comme ça. Et boum. Bon bah on a eu les deux, c'est parfait. Ça s'est plutôt bien passé. Cependant nous n'avons toujours pas de vulcature. Donc ce qui m'inquiète un petit peu. Bon, alors voilà, Shrubble passe un niveau et gagne une compétence. Je ne connais pas Quick Branch, Strength, Target Enemy. 10 de dégâts et assez rapide, d'accord. Hop, je pense que c'était ça qu'il fallait que je remplace qui était au mieux. Troisième combat, est-ce qu'on a un Vulcature? Toujours pas. Alors. Ok, bon bah apparemment on a toujours rien. Dismiss. You win, bien sûr, je gagne toujours. De toute façon, vous êtes au courant que je gagne toujours, chers amis. Là où est l'intérêt, c'est justement de voir où sont ces vulcatures. Toujours pas. Quatrième combat, il me semble. Ok, ça fait assez mal par où ça passe, je dois le reconnaître. Et boum! Ça a été assez rapide. Hop, you win, bah oui, comme toujours. Je vais le dire à chaque fois. Reward, battle. Est-ce qu'on a des vulcatures? Toujours pas. Donc, on va aller voir ailleurs. Hop. Scurrying Wave. Parfait. C'est une réussite. C'est une réussite. Oh. Je vais recruter. Hop. Le voilà. On verra bien. Crac, bon, bah non, on va aller retourner voir la quête, chers amis. Ah, apparemment on a obtenu quelque chose, voilà, recrute de Solari. C'est bon, ça fait toujours plaisir. D'accord, nanana. Ouais, mais Vulcature, on les trouve où à la base? On va aller se faire le dernier niveau, chers amis, on va bien voir. Hein. Hop, un combat. Pas de vulcature en vue. Hop. Et hop, voilà. Ah, il a survécu, bien joué. Donc là, je pense que voilà, Reckless Lunge, il allait forcément se faire trop de dégâts. Bon, pourquoi pas. Trois étoiles, je suis obligé de le prendre. Hop.
coffre, sympa. Alors, un combat. Toujours pas de vulcature. Hop. Boum. Ça devrait être bon. Voilà. Faudra, je pense, envoyer quelqu'un d'autre que The Dragon, par contre, après. Fait chier. Rewards. Ok. On va sur celle-là. Un vulcature, peut-être ? Toujours pas. Ça m'embête tout ça, chers amis, ça m'embête. Hop. Boum. Ça c'est fait. Boum. Ça aussi c'est fait. Bloque le coup autant que tu veux, ça ne te servira à rien. Et vous avez raison, Shardstorm, c'est bien du blockhead. Il y a bien le petit trou en fait pour l'évolution, donc c'est cool. C'est cool. Toi, je te. T'es moche, mais je te prends. Hop. Oui, la salle du boss est ouverte, j'ai bien compris. C'est là qu'est la porte, la dernière. Un vulcature, putain, toujours pas. Bon, bah les amis, j'irai m'enseigner pour le prochain épisode. Où sont les vulcatures? Non, surtout pas t'envoyer toi. Hop. Quick Branch. Hop. Scurrying Wave. Nothing Cloud. C'est cool. Ça se passe plutôt bien. Dismiss, dismiss. Malgré tout, le donjon se passe plutôt bien. Dommage qu'on n'ait pas plus de vulcature que ça. Mais alors, vraiment dommage. Hein. Peut-être que je suis pas allé au bon endroit, je sais pas. Allez, le boss. Allons-y, chers amis. Et pas de vulcature, dommage. Et hop. Crac, crac. Crac, crac. Crac, crac. Oui. Ça fait mal au Némonox. Oh putain, il va prendre tellement de dégâts d'un seul coup, lui. Bah oui, ça t'apprendra. Ça t'apprendra, te dis-je. Non et non. Bon, on a pas de vulcature dans le coin. Donc oui, comme je l'ai dit, j'irai voir où est-ce que je peux trouver un vulcature. Donc écoutez les amis, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la partager, vous abonner. Oh, attendez, on va aller voir ça. Je retire ce que j'ai dit. On va aller voir ça. Ah ah. Ah ah. Qu'est-ce qu'on a? Pyramide Jacket, Sturdy Boots, Seafoam, Lavender. Ok, bon bah Lavender j'en ai un paquet je crois. Hein. Hop, un instant, on va aller voir ça aussi. Crac, plein de trucs, plein d'XP, plein d'argent, c'est génial. Notre Warden, notre style. Juste pour voir, ça ressemble à quoi? Oh, elle est stylée. Ça ressemble quand même beaucoup à celle que j'ai là, mais... C'est même exactement la même, mais...
Comme celle-là et celle-là, c'est la même dans d'autres couleurs en fait. Ok, bon. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur dans la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous rappelle que vous pouvez retrouver aussi ce jeu sur Steam. Donc dans plusieurs versions différentes apparemment. N'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner et à commenter. Ce sont d'excellents moyens que vous avez pour me faire connaître les amis et je vous en remercie. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos sur Facebook ou Twitter. Hein. C'est un très très bon moyen que vous avez pour m'aider. Je vous rappelle que le prochain objectif de la chaîne, c'est de me trouver un vrai micro un peu plus à même de répondre à vos demandes. Apparemment certains se plaignent de mon micro, donc du coup bah, j'en profite, hein, écoutez, on va faire ça comme ça. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens.